Monica Bellucci. What? La dernière fois qu'on s'est vu, Action 52 a volé une blague à Laurent en appelant leur jeu Alfred and the Fettuccini. On est surtout mort, genre, plein de fois, ce qui a fait une capsule de 3 minutes et quart. Non, peut-être un peu plus, 5. Non, non, j'ai été bon, j'ai pas arrêté d'écraser des crêpes. Oui, c'est vrai, c'était vraiment palpitant. Mais là, on est rendu au 10e jeu, oui, et il y en a 52. Un jeu qui est probablement un jeu de comédie musicale, donc l'Opéra Lune. Non, je pense que c'est Operation Moon. Ah, il me semblait qu'Opéra, ça prenait pas de thé. C'est Operation Full Moon. OK. C'est mieux de mettre les vrais titres, là. Pas aussi mieux connu sous l'hashtag OFM. Je sais pas si les hashtags existaient dans le temps. Oh, on a 4 vies chaque. Oh! Caroline, faut que j'en... Ah oui, on est effectivement... Pas capable de tirer rien. Oh. Yes! En fait, tu tires, c'est juste que tu vois pas parce oh, que... Oh, Amine, c'est un petit point noir. OK, ouais. Parce que les couleurs sont vraiment bien choisies. Donc, un background composé de vert et de noir avec des balles noires. On a droit aussi à un background... Qui se construit devant nos yeux, en parce fait, que regarde en haut, ça, c'est comme aléatoire, tu sais pas ce qui s'en vient. Mais je pense que c'est un background qui se cherche, là, donc... Il cherche un esti. Non, mais qui a du potentiel, mais qui est encore... Je pense que je m'ennuie des Carrie Warriors quand je joue à ça. T'es-tu mort en fonçant dans... Tout le temps la même affaire! Ben oui, tu renverses tout le temps ta bière! T'es pas capable de faire une capsule sans renverser une bière! Arrête donc! Là, je vais aller chercher une pipe, tu vas boire ta bière sur mon plancher! Nice! J'ai pas de problème avec ça, mais. Attends, tu viens de te faire toucher par une balle, t'es pas mort! Ah, écoute, c'est la vie! Such is life! Mais je m'excuse, à Resident Evil, il me semble que j'ai pas renversé une bière. T'es sûr? Ouais. Il me semble que t'as renversé une bière à Resident Evil. Ben, en tout cas, la deuxième capsule de Resident Evil que tu n'utiliseras pas, visiblement, ben, j'ai pas renversé de bière. Pourquoi tu brises la magie? Ben, parce que tu brises la magie toi aussi. Tu dis que je renverse tout le temps mes bières alors que c'est faux. Mais non, c'est vrai. Non. Bon, pendant qu'on parle de renversage de bière, on a droit à quand même à un jeu exceptionnel. Je peux pas croire que t'as dit ça avec un straight face. C'est quand même un jeu exceptionnel. Non, mais l'animation sur le top du tank slash peut-être un Hummer ou... Ouais, ou Hein? Non, mais t'es level 2. Oh! Là. Nice. J'avoue que... Le gardien du level 1 était vraiment tough. Ouais. Mais si, man, je te l'ai vargé. Non, mais c'est parce que l'idée, c'est de bien connaître son pattern, c'est-à-dire... Aucun. Yes. Malheureusement, il y a pas d'énergie, puis il y a pas de sprite non plus, fait que. Mais ça, le choix cette fois d'avoir remplacé le vert par du bleu. Ok. La bière, c'est assez pathétique. Mais je pense que tu l'as renversé à un endroit stratégique qui faisait en sorte qu'on peut continuer à jouer pareil. Okay, ouais, ben tu sais la manette du Super Nintendo que je t'ai dit qu'elle allait sentir la bière. Ouais. Ben elle va sentir la bière en tabarnak. Ok, fait que là elle va sentir. Je pense que c'est la même. Yeah! C'est ça les dangers de tourner en buvant de la bière. Qu'est-ce qui se passe? Et je dois dire que c'est ma première bière. Laurent, c'est juste qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, man. Nice! Moi, je pense que c'est un bug. Mais doit-on blâmer les programmeurs? Doit-on blâmer la cassette? Ou doit-on blâmer le fait que c'est une ROM? Ou... Parce que oui, on continue de jouer sur la... Qu'est-ce qui se passe? La Power Pack! Laurent? Je pense que j'aime mieux la Muse au ralenti de même. Oh! C'était pas la cassette, c'était vraiment un bug de jeu. C'était un moment magique. Wow! Moi, je pensais que c'était en déposant la bière que t'avais accroché la NES. Mais non, la NES est genre sur le meuble. Là, ouais, mais... Non, on est prudent. On met quand même nos consoles sur des meubles parce qu'on se fait pas confiance. Oui, parce que Laurent renverse des bières. Oh, arrête! T'as déjà renversé une bière, toi aussi. Ben oui, mais j'avais 8 ans, là. T'avais 8 ans? Tu l'as fait pendant une de nos capsules. Ça fait combien de temps qu'on fait des capsules? Ça fait... J'avais 8 ans! Ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans qu'on fait des capsules. Oui, parce qu'évidemment, tu as 36 ans. Moi, ça? Jamais! Non, je me trompe avec moi! Oh! Ben oui, parce que c'est ta fête, Laurent, bientôt. Je sais pas. Oui, mais quand est-ce que tu vas diffuser cette capsule? Ça va être sûrement le jour de cette capsule-là, Laurent, c'est peut-être ta fête. Si nous sommes le 2 février aujourd'hui, c'est ma fête. C'est pas un power-up, ça, l'espèce de colis? L'espèce d'enveloppe? J'ai aucune idée. Donc, si c'est ma fête, souhaitez-moi bonne fête. Si c'est pas ma fête, ne le faites pas. Et voilà. Donc, je suis Verseau.
Et je suis né le jour de la marmotte. Et tu es au niveau 3 et tu es mort. Ah, je pensais que c'était toi. Hey, ça pourrait commencer à un niveau que si t'es pas à l'affût et que tu meurs automatiquement, c'est chiant. Tout ça parce qu'on tantôt, j'ai passé sur ce mur-là, puis c'est correct. Puis là, t'es mort. Combien de vies qu'on a, c'est pas. On avait 4. Je suis comme stressé parce que derrière, la Oh, c'était Operation Full Moon. On a été full bon. Oui, c'était... Ou pas. Non, non, mais c'est un excellent jeu. Pour les gens parmi vous qui veulent devenir astronautes, c'est un jeu qui est très important pour se pratiquer lorsque vous allez conduire des véhicules sur une autre planète que la nôtre. Donc, la morale de cette histoire, c'est ne foncez pas dans rien. On le sait pas si ça peut vous faire exploser. Giz est ironique. Sarcastique. Il n'est pas sérieux. Tu sais qu'à cause de la toute de Alanis Morissette, le mot ironique. Arrête! Elle a raison! Tu dis tout le temps qu'elle a tort. Elle a raison, même. Tu connais pas l'ironie anglophone.